دين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا نزال نتقلب في أيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام الفاضلة التي عظم الله شأنها ورفع مكاناتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها يضاعف إلى أضعاف كثيرة. serviteur d'Allah, nous sommes actuellement dans les 10 jours de Dhul Hijjah, période durant laquelle eh bien, comme a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes actions sont multipliées de manière abondante. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyam al-amal salihu fihin ghayrun wa habbu ila Allah minhu fi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasul Allah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dhalika bi shay. Il ne se trouve pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne se trouve pas de jour dont les bonnes œuvres sont meilleures et plus aimées par Allah, comme c'est le cas durant les 10 jours. Et les compagnons de dire, envoyé d'Allah, pas même le combat dans la voie d'Allah, il dit pas même le combat dans la voie d'Allah, si ce n'est un homme qui est sorti lui et ses biens et qui n'est revenu de ce combat-là, ni lui ni ses biens-là. Serviteur d'Allah, nous voyons que ces jours-là, eh bien, sont grandioses. Yaïul muslimoun, qad madha, ثلث هذه الأيام وثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن كان فيهن محسنا فليزدد من الإحسان وليسأل الله تبارك وتعالى القبول ومن كان فيها مقصرا ومفطرا فليتدارك ما بقي منها فقد بقي منها أفضل أيامها وأكرمها على الله تعالى ألا وهو يوم الحج الأكبر يوم النحر. serviteur d'Allah, quasiment le tiers de ces jours-là sont passés. Quasiment le tiers sont passés. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre contexte, le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Celui qui a tiré profit de ces jours-là qui viennent de passer, eh bien qu'il remercie Allah, qu'il continue et qu'il augmente, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ses bonnes actions. Et celui qui a été négligent, celui qui a été laxiste, eh bien qu'il se réveille et qu'il se dise qu'il reste encore un bon nombre de jours, et parmi lesquels se trouve le meilleur jour de l'année, qui n'est autre que le jour du grand Hajj, le jour du sacrifice de la bête. عباد الله من الأحكام المتعلقة بيوم النحر ما يلي أول أن يسن أن يخرج المسلم إلى مصلى العيد على أحسن حية. روى البيهقي وغيره بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، وقد صح الاغتسال قبل العيد أم بعد السلف من الصحابة والتابعين. Serviteur d'Allah, il convient de rappeler certaines règles relatives à la prière de l'Aïd, parmi laquelle, premièrement, il fait partie des bonnes mœurs et des bonnes habitudes que le serviteur vienne à la prière de l'Aïd avec ses plus beaux vêtements, qu'il se vêtisse de ses plus beaux vêtements. Et également, il fait partie de l'habitude des premières générations de l'islam, parmi les compagnons et les tabi'ines, que de prendre le ghusl, le bain rituel, avant d'arriver à la prière de l'Aïd. ثانيا يحسن للمضحي في عيد الأضحى أن لا يأكل شيء حتى يصلي فيكون فطره على أضحيته. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. أخرجه الترمذي وغيره. deuxièmement, il convient pour celui qui a l'intention de sacrifier la bête, il fait partie de la sunna qu'il ne mange rien le jour de l'Aïd, qu'il vienne à la prière à jeun, ensuite qu'il prie, qu'il aille sacrifier la bête et qu'il se nourrisse de sa bête premièrement. La première chose qui va toucher en ce jour son ventre, c'est la viande de son sacrifice, et cela si cela est possible, bien entendu. ثالثاً يسن التكبير جحراً في الطريق إلى مصلى العيد وحتى يخرج الإمام للصلاة. Troisièmement, il fait partie de la sunna d'élever la voix avec les takbirat le jour de l'Aïd durant le chemin qui nous mène à la salle de prière ou à la mosquée. Et également quand on est assis dans la salle de prière jusqu'à ce que l'imam arrive. Les takbirat, c'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ceci, bien entendu, il faut également prendre en considération que nous vivons dans un pays qui n'est pas musulman. Nous sommes une minorité religieuse. Et également, la situation est assez compliquée pour les musulmans. Donc peut-être, et Allah est plus savant, il serait plus sage que le fait de dire les takbirat dans le chemin en venant à la mosquée. Chacun les dise pour lui, au lieu d'élever la voix. Et une fois qu'il se trouve à la mosquée, et bien qu'il prenne son aisance et qu'il les dise à haute voix comme il convient. Rabian, la ba'sa bi tahiyatin nasi ba'dhum ba'da fil 'id bi kalima taqabbal Allahu minna wa minkum a'id mubarak aw kullu 'am wa antum bi khair al-amr wasi'. Également, quatrièmement, il n'y a pas de mal à ce que les musulmans se félicitent les uns les autres le jour de l'Aïd avec toute formule que les gens ont l'habitude de se féliciter, que ce soit dans leur pays ou dans leur tradition. Celle qui est rapportée des premières générations, c'est taqabbal Allahu minna wa minkum, car Allah accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres. Si on commence par celle-ci, c'est meilleur, et ensuite on dit ce qu'on a l'habitude, comme bonne fête de l'Aïd ou toute autre formule que les gens ont l'habitude. Et également, khamisan hudur salat al-Aïd et sunna mu'akkada, fala yanbaghi li muslimin qadir tarkuha, wa min ahli al-ilmi man yara wujub salat al-Aïd. Et cinquièmement, l'accomplissement de la prière de l'Aïd est extrêmement recommandé. Et certains savants ont vu qu'il était également obligatoire de présenter la prière de l'Aïd. Et il ne convient pas aux musulmans qui ont la capacité de la délaisser. Ibad Allah, yawm al-khamis al-qadim, yawm azim, min afdal ayyam al-sana, yawm hafil bil-hibat wal-khayrat, wawafir bil-manh wal-barakat, fihi yu'tiq Allah azza wa jal min al-ibad min al-nar ma la yu'tiq fi ma siwah. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة. Serviteur d'Allah, le jour avant la prière de l'Aïd, c'est-à-dire jeudi prochain, le jour de Arafa, est un jour grandiose, rempli de bienfaits, rempli de générosité, rempli de bénédictions. C'est parmi les meilleurs jours que compte l'année. C'est un jour durant lequel, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il ne se trouve de jour durant lequel Allah affranchit ses serviteurs du feu de l'enfer comme il le fait le jour de Arafah. Il ne se trouve de jour dans l'année qu'Allah affranchit ses serviteurs du feu de l'enfer comme il le fait durant le jour de Arafah. Également, ce jour de Arafah, c'est le jour, comme on l'a cité précédemment, celui qui jeûne le jour de Arafah, il verra ses péchés expiés, purifiés, ses péchés de deux années, l'année passée et l'année suivante. Et également, c'est un jour spécifique, c'est un jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans les invocations. Ceci est spécifique également à ceux, aux Hujjaj qui sont à Arafah, mais également à ceux qui ne sont pas à Arafah, comme c'est le cas pour nous. Donc, qu'on profite de ce jour-là pour redoubler d'efforts dans le fait d'invoquer Allah azzawajal dans le dua. Comment il pourrait être autrement alors qu'Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلِيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et si on se demande, mais quelle est donc l'invocation que je pourrais faire qui pourrait être la plus utile ou la plus grande en ce jour-là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la réponse. Il dit sallallahu alayhi wa sallam khayr ad-du'a du'a yawm arafa. Il dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation qui est faite le jour de Arafa. Wa ghayru ma qultu ana wa an-nabiyuna min qabli. Et la meilleure des choses que j'ai pu dire moi et qu'ont pu dire les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Barakallahu li wa lakum.